pour jouer en troisième personne. Je vais revenir au salon pour redémarrer le jeu. Puis je vous conseille au début de la game de prendre Pathfinder. Parce que, ben avec Pathfinder, vous... j'ai développé une petite technique. C'est que regardez, vous sortez. Vous vous grappez à la tiro. Puis, où est-ce que tu dois aller, c'est là-bas. Puis tu dois aussi pas du tout avoir de stuff. Faut que tout ton stuff soit à terre. Donc, tac, tac, tac. Alors, regardez la technique. C'est en fait très facile. C'est que vous vous mettez comme ça. Vraiment dans le coin. Vous vous accroupissez. Vous regardez le sol. Puis ben, vous prenez un perso. N'importe quel, ça marche. Caustique. Vous avez juste à vous mettre là. Regardez le sol. Vous prenez le perso que vous voulez. Ah ben, j'ai fait un bug. Non. Avec caustique, ça n'a pas l'air de marcher. Eh les mecs, si vous voulez mettre le mode, ben je vous conseille de mettre Bloodhound. Parce qu'avec Bloodhound, il y a 100% de chance que ça marche. Et si vous voulez le retirer, vous mettez Caustic. Puis après, vous allez changer de perso après Caustic, puis ben vous allez retirer en troisième perso. Et prendre une personne. Mais par contre, j'ai découvert un petit bug hors vidéo. C'est qu'en fait, on peut passer à travers. Mais bref, ça, c'est pas le plus important. Moi, il y a un truc que je trouve trop stylé avec Raid. Mais vous l'avez vu au début de la vidéo, c'est que quand on active le phase, on la voit. Puis ben ça, je trouve ça stylé. Ténénén. Naruto Run! On dirait des petits enfants qui imitent des avions. Après, tu prends un crabeur, puis tu vises, puis tu. Après, tu prends un crabeur, tu vises, et tu snipes. Mais c'est parce qu'en fait, regardez. Vous voyez, là, je vise la pierre, mais si je vise. Mais ça va être la tête que je vois. Puis il y a quelqu'un qui poste un commentaire, c'est Alex, salut. Ben salut. Et juste pour vous dire, si vous visez peu importe l'arme. What the fuck? Si vous visez peu importe l'arme, ben vous allez être en vue point FPS en fait. Merde, ma manette manque de charge. Frag out. Quoi? J'ai vraiment hors volé. Attends, ça ressemble à quoi? Ah ouais, c'est comme d'hab. Moi, je trouve ça bien moins rageant être dans cette vue-là. Moi, j'aime mieux être dans cette vue-là quand je suis KO. Quand j'y pense, le... Quand je pense que le bouclier nous cover que dalle. I've made my choice, and I'm not done. I have come to save the day, maybe. Par contre, c'est impossible de donner des coups, hein, comme ça. Using grapple.
traveling. Oh là là. Ben, je vais le refaire en vue de fait. Juste, vous allez là, vous visez le sol, vous accroupissez. Pas besoin d'être en dessous de la pierre, juste là. Hein. Parce que hier, moi, j'essayais de faire ça, regardez. Je courais, je faisais une glissade, puis j'essayais d'aller en dessous. Puis quand j'étais pas capable de me lever, ben, ça veut dire que c'était bon. Ben non, c'est pas bon. Faut juste que tu fasses ça. T'accroupisses. Tu sens de perso. Puis ben, tu vas être en vue troisième personne. Mais quand tu vas changer de perso, je vous conseille de prendre Bloodhound. Parce que tout le temps, 100% de chance que ben, avec Bloodhound ça marche. I'm back in action. Let's do this. Don't shield out. Donc avec mais les mecs, faites attention. Vous pouvez crash. Moi hier, j'ai crash 4 fois. Avant de réussir à bien comprendre le mode. Donc bah faites attention à vos risques et périls. Mais si vous emballez, ben venez jouer. Trois non-scope. Mais j'avoue, il y a bien plus d'opportunités de faire des non-scope. You, là. Shut it down. Je sais qu'il y a aussi un glitch pour que bouge et que tire, mais je sais pas comment. Il me semble faut prendre un perso, genre mettons Loba ou Pathfinder, il me semble. Non, regardez pas ça. Ok, il est. Et vous prenez le petit bastelet, et vous le jetez juste ici. Vous mettez là, vous accroupissez, vous regardez à terre. Now for the right choice. Here comes Gibraltar. Mais quand vous entendez un genre de cling, cling, c'est-à-dire que c'est bon. I return to the hunt. I have come to save the day. Maybe. Putain, là, j'essaie juste de retourner sur la. Je crois qu'il était pas le champ. Mais je suis content parce qu'au moins la vue troisième personne n'a pas été patch.
Ouais, je suis mort. Grappling. Non, mais je m'en fous de prendre le tiro. Quoi? Mais c'est une pente. Normalement, quand j'atterris en m'accroupissant, ça veut dire que je glisse. C'est rendu, il y a deux personnes. Ah là là. En fait, vous allez ici. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Vous allez ici, vous regardez le sol. Vous oubliez pas de jeter toute votre stuff. Vous venez ici, vous regardez le sol, vous vous accroupissez. Et vous prenez Blood Hunt. I return to the hunt. D'après moi, avec tous les légendes, ça marche. Mais moi, à chaque fois que je prends Blood Hunt, ça marche. Et moi, quand je prends Caustic, admettons, Caustic ou Lifeline, ça marche pas à chaque fois. Je suis content parce que pour cette vidéo, j'ai pas crash. Et si vous visez, ben ça va vous faire viser. Sauf avec les armes. Les armes où est-ce que vous avez pas un viseur en holo. Regardez, si vous avez un viseur comme ça, ça va vous le faire viser. Si vous avez un viseur comme ça, ça va vous faire un peu plus zoom. Si vous avez comme ça, un peu plus zoom. Ça a pas l'air de zoom, mais ça zoom. Puis ben, vous pouvez faire piou, piou. Piou, 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 piou. Boum, 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 boum. Reste. Ah, il y a trois personnes. Je crois que c'est mon record, on dirait. Non, mon record c'est 4. Ici, ben, je vais lui remontrer pour la 50e milliard de fois. Vous jetez toute votre stuff. Tac. Tac. Vous mettez ici dans le coin. Ici, hein. Moi, avant, j'essaie de le faire. J'étais ici. Avant, j'essaie de faire ça. J'essaie de changer les persos, puis ben, ça marchait pas. Puis c'est normal. Et puis regardez, j'ai trouvé un petit bug. Je sais pas si j'ai. Si elle t'a déjà trouvé, mais regardez, si vous prenez crypto, vous prenez le drone, et si vous passez le drone ici, ben il sera bloqué par un sort de mur invisible. Donc si vous avancez vers là, ça va être coincé. Mais si vous avancez vers là, il y a pas de mur invisible. Ben, je vais vous montrer. Vous avez pas de stuff, vous mettez là, tac, 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 tac. I control death. Regardez, là, je suis en vue première personne. Puis, ben là, pour mettre le truc. Ah, désolé si je parle trop fort. Vous mettez là, changez de légende, là, donc, tac. Les petits poils que sur son petit casque là à Blood Hunt, il est trop mignon. Hey mec, vous êtes au courant que c'est possible d'aller là-bas? Forget that. C'est possible en faisant un glitch.
Ah ouais, je vais vous montrer tous les petits trucs, tous les monstres du Loch Ness. Il y en a un juste ici. I have come to save the day. Maybe. Merde, 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 merde. Oh là là. I think elle devrait récupérer 10. Oh, c'est bien fait. Ok. Ouais, juste pour vous dire, vous pouvez utiliser une technique catapulte. C'est qu'en fait, elle est full compliquée en fait, c'est pour bien calculer. Faut vraiment que vous descendez. Puis après vous faites ça pour vous catapulter. Mais là je me suis pas catapulté à la bonne place. Faut vous catapulter sur l'os. Sur le dos. Mais ça. Sur ce truc là. I'm really a gros noob. Non, non. J'ai paniqué, je l'ai activé parce que j'ai eu peur. Ah! Désolé si je fais un coupi-coupo-gobri, mais ça gosse. Bon bah je vais utiliser la manière... Non, j'ai pas envie. Bon bah... Je vais vous montrer l'autre, hein. Je sais pas si ça est accessible par contre. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Regardez, les petits, la petite famille d'un petit Loch Ness. Moi avant, je croyais que c'était juste accessible avec le drone de crypto. They tried to get rid of me. They failed. Getting my eyes in the sky. J'étais là, puis ben je disais, c'est seulement accessible par le drone de crypto. Puis je trouve qu'ils sont plus petits avec le drone de crypto, puis ils sont plus gros, comme ça. Peut-être parce que en vue troisième personne, ça a l'air plus gros. Puis le dernier, ben je vais vous montrer au drone parce que je suis pas capable. Switching the drone view. Vous allez ici, à la petite patte, juste à côté de la tour de charge. Vous sautez là, vous allez là.
sauter là, courir, courir, ou grimper là. Et vous tombez ici. I'm back. Logged off my drone. Here I come, back from the sky. Let's explore this way. C'est juste ici que j'ai besoin. Moi, je vais monter par elle parce que ben, c'est la plus facile. Puis moi, je tombe en bas. Non, tu me fucking nice. Non. Maybe. Je voulais grappe sur l'os. Let's go this way. Here I go. Regardez, vous allez là, vous montez là. Et après, si vous êtes foufou, vous essayez de monter là. Faut pas que vous tombiez là. Vous allez là. Sautez. Tac. Pas tomber là. Might be something good this way. Là, après, vous essayez un long jump. Là, après, vous mettez là. Tac. Et là, il y a le petit monstre du Loch Ness. Using grapple. Let's explore this way. Forget that. Oui, je sais. La tour de charge, si tu es tout seul, il y a personne. C'est juste parce que ben il y a plusieurs gens sur la map. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des milliers de gens qui sont sur la map en ce moment, mais juste que tout le monde est invisible. Personne ne se voit. Personne ne se voit! Ah ouais, aussi. J'ai oublié de vous le montrer. Regardez, c'est faut aller. C'est faut aller, lol. Faut aller ici. Il me semble. Ouais, ici, vous montez. Vous faites un petit grappin. Un grappin. Ça, c'est un peu compliqué. Tac, vous montez là, montez là. Puis, bah, juste ici, il y a un petit chien. Attends, je vais aller chercher un sniper pour vous le monter. Vous pouvez monter sans utiliser le grappin, vous avez juste à tout enchaîner les escalades bien compliquées. Oh, il y a cette petite langue qui dépasse. Ah ben, il n'y a plus de langue qui dépasse. Elle était rouge avant que je la tire. Oh, il y a une petite queue. C'est quoi qui est écrit dessus? Attends, c'est un code barre ou c'est quelque chose qui est écrit dessus? Ah ben maintenant on voit plus rien. Oh. C'est comme un screamer en fait, genre tu vises. Tan 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 tan. Tana. Oh, regarde là. Moi, je suis de type Gaga. Here I go. Oh là là. Mm-hmm.
Let's explore this way. Ça s'accroche seulement à 100 mètres. Ouais, c'est ça, on peut pas. Mec, je me demande si c'est déjà arrivé que quelqu'un a fait ça. Qui a fait un grappin juste à côté de lui. Sûrement. Là! Et les mecs, vous êtes au courant qu'il y a des cibles dessus? Moi avant je savais même pas qu'il y avait une tour. Puis ben j'ai checké, j'ai vu, puis ben maintenant je sais. Mon ulti! En fait c'est trop stylé, regardez en bas. C'est tout jaune avec du bleu autour. Puis ben tu peux le réutiliser. C'est juste trop stylé. Moi désormais quand j'ai pas de Pathfinder, je vais faire ça, c'est trop stylé. Je vais le montrer une dernière fois comment activer la vue troisième personne. Je ghost. I have come to save the day. Maybe. Grappling. En fait, vous allez là, vous accroupissez, vous regardez le sol, vous avez aucun stuff. Aucun stuff, j'ai dit. Vous mettez là, changez de pont, changez de perso. Je vous conseille Bloodhound parce qu'avec Bloodhound, ça marche toujours. Puis c'est ça. Alors, merci d'avoir écouté. Sur ce, ciao!